Hey yo tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, news otaku. Oui, une vidéo de news pour le mois de janvier. On commence par les mangas, mais avant de commencer par les mangas, si ce n'est pas encore fait, je sais, je mets pas le visuel, mais c'est pas grave. Si vous voulez mettre un pouce bleu sur les différents, déjà pour la vidéo, mais si vous avez aimé ou pas. Vous pouvez toujours le faire quand même. Les news que vous avez vues, vous pouvez donc toujours mettre un pouce bleu. Voilà. Également mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire sur les news que vous allez voir. Si vous aimez ou non, vous pouvez toujours le dire en commentaire. Par contre, dans l'entente la plus gentille qui soit, s'il vous plaît, pas d'insultes. Sinon, je banne. Voilà. Je sais que ça fait très menaçant, mais... Pas du tout. Quand même, évitez d'insulter dans tous les sens les personnes qui commenteront la vidéo. Je vous en serai très reconnaissant. Et si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez toujours vous abonner et mettre la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer donc avec les mangas et surtout un manhwa dans un premier temps de chez Michel Lafon. Dans sa collection Webtoon, je l'appelle comme ça mais c'est écrit ici. Non, je n'essaierai pas de le dire parce que je ne sais toujours pas le dire, hein, mais c'est dans la même collection que High School Mercenary et d'autres qui m'intéressent un peu moins. Et lui en revanche m'intrigue, c'est le retour du clan Wasan. Je suis pas sûr de comment on est censé le dire, qu'on soit d'accord vous et moi, mais c'est pas grave. C'est déjà sorti le 1er février, je tourne le 3, c'est théoriquement déjà sorti, 12,95€ pour son prix. Et il y a les deux tomes sont parus pour le 1er février, ils sont parus en même temps. Pour celles et ceux qui veulent un synopsis, le voici. De ce que j'ai déjà lu, parce que oui, je l'ai déjà lu, le synopsis, même si j'en fais pas forcément tout le temps, mais je l'ai déjà lu. Le clan Wasan était très haut parmi tous les clans qu'il y avait, et il a fait, au fil du temps, il a perdu de son prestige, et de mémoire, c'est... Ça parle de réincarnation, de mémoire, uniquement de mémoire, ça parle de réincarnation, et ce jeune homme va, qui est donc la réincarnation d'un maître épéiste ou quelque chose comme ça, va essayer de redonner le prestige qu'avait son clan à l'époque. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Mais si vous voulez le lire, mettez pause et vous n'entendrez plus ma gueule. De moins ma voix, puisque ma gueule, vous ne la voyez pas. Enfin bref, on peut passer donc à la suite. Alors, je suis à peu près sûr que certains vont se poser la question pourquoi je dis ça à chaque fois. C'est pour moi au montage, tout simplement. Pika annoncé de par l'auteur de Fairy Tail et Eden Zero et Rave Master, donc Hiro Mashima, Dead Rock. Oui, c'est. J'en ai parlé il y a quelques vidéos en arrière, de vidéos de news, hein, j'entends. Dead Rock va paraître chez Pika au mois de mai. Alors on n'a pas encore de date précise à part mai 2024 et pas de prix. Mais ça va arriver en France au mois de mai 2024 chez Pika. Et c'est par donc l'auteur Hiro Mashima pour Fairy Tail, Eden Zero et Rave, même si on l'avait déjà remarqué avec la tête du personnage principal. Ah, alors au passage, oui, là, ça fait très Acnologia, c'est ce que je me suis dit quand je l'ai vu. La tête fait vraiment penser à Acnologia. Et la tête du personnage principal, Natsu et tous les deux autres. Hein. J'ai plus forcément les noms en tête, mais Shiki pour Eden Zero et pour Sudrive, j'ai plus le nom en tête. Mais vous prenez les trois autres, vous les mettez à côté, c'est du copier-coller. Même s'il y a niveau couleur, alors uniquement niveau couleur, Acnologia, quand il est dans sa forme humaine, dans sa forme d'origine hein, normalement, ça fait aussi penser à Acnologia. Niveau couleur, j'entends uniquement,
Ça et les mèches de cheveux qui se font 1 mètre d'épaisseur. Lol. Enfin, j'exagère énormément en disant 1 mètre, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. Pour le synopsis, c'est un synopsis provisoire qui a été traduit par Manga News, hein, le site sur lequel je suis à l'heure actuelle. Alors, je vais vous faire un. Je l'ai lu aussi, le synopsis. Et en gros, il y a une académie de démons. Enfin, il y a une académie qui s'appelle Dead Rock dans le royaume des démons. Donc, pour des démons. Et pour devenir en gros le prochain roi démon. Et Yakuto, qui est donc le prénom du personnage principal, il faut le retenir, et ça sera pas évident, se lance un défi et veut passer l'examen d'entrée de cette académie. Voilà, tout simplement. Admettons, pourquoi pas. On verra bien ce que ça donne, bien évidemment. En temps et en heure aussi. Enfin bref, on peut passer à la suite. Alors, je ne l'ai pas forcément dit, mais vous pouvez retrouver tous les liens en description si YouTube veut bien fonctionner correctement. Enfin bref, les éditions Dupuis font un partenariat avec Kadokawa, je vais y arriver. Donc, en gros, c'est Média Participation qui Dupuis fait partie du groupe Média Participation, donc les deux boîtes, Média et Kadokawa, font un partenariat entre les deux, voilà, pour avoir un plus gros catalogue de manga, de manhwa, de light novel, des meilleurs et j'en passe. En gros, c'est à peu près ça. Pour ceux que ça intéresse, ça sera en description de la vidéo, bien entendu. Si vous ne le trouvez pas tout de suite, c'est sur Manga News. Vous tapez juste Dupuis annonce un partenariat inédit avec Kodokawa et vous devrez le trouver assez facilement. Quant aux autres, alors si vous voulez lire, vous mettez pause. Hein, là, vous mettez pause là, vous mettez pause là, et vous pourrez le lire. Alors, ils ont annoncé la réédition de l'arc mobile suite Gundam The Origin. Et dans la foulée, ils ont annoncé également Love of Kill, qui est donc un anime qui est déjà sorti en simulcast sur Crunchyroll. Là, c'est lui. Et alors, pour ceux qui veulent savoir le synopsis de Mobile Suit Gundam, vous pouvez l'avoir là. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais je vous le dis. Voilà. Par contre, Love of Kill m'intéresse beaucoup plus, puisque j'ai bien aimé l'anime. Et pareil, synopsis, si vous voulez le voir, le lire tout du moins, il est ici. Donc, vous pouvez le lire, vous mettez pause. Et transition toute trouvée, puisqu'on va en parler un peu plus pour Love of Kill. Oui, puisqu'on l'a là. Donc, c'est le premier tome qui va sortir en 2024, on ne sait pas encore quand. Pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, c'est juste une chasseuse de primes, c'est-à-dire elle, qui s'appelle Chato. Alors, je dis à la japonaise, puisque à la japonaise, ils le disent vraiment une Chato. C'est très marrant à entendre. Pour un prénom, enfin, pour un mot qui fait très français, de l'entendre à la version japonaise, c'est assez marrant. Alors, je ne me moque pas, c'est juste que moi, ça me fait rire. Juste. Sangryung-ha, qui est là beaucoup plus. Le nom fait beaucoup plus coréen, même si on sait pas grand-chose de lui. Puisque c'est aussi un chasseur de primes. Un mec qui fait dans la criminalité depuis son enfance, qui est très doué d'ailleurs. Et les deux pourraient potentiellement se connaître, ou peut-être pas. Enfin, pour ceux qui ont vu déjà l'animé, vous le savez, vous savez déjà une partie. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'animé, qui n'ont pas du tout voulu connaître l'animé, bah, le manga va sortir en France et vous allez pouvoir le retrouver. Alors oui, la série est terminée en 13 tomes, bien entendu, pour l'animé, il y a 12 épisodes. Avec les liens en bas, si vous voulez en savoir plus sur. Là, c'est pour Nautiljou. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir. Sur ce, on passe à la suite, et je sens que la suite, ça va intéresser quelques personnes. Quand je dis quelques personnes, c'est peut-être un peu plus qu'une poignée, puisque Madabook a annoncé Dark Souls. Oui, Dark Souls en manga arrive. Je vais peut-être mettre ça comme titre. Vous verrez bien. Alors, c'est une histoire
inédite et officielle. Oui, c'est marqué ici, mais je vous le dis. C'est une création originale de Madame Hook. Je vous le dis aussi, préfère vous le lire. Ça s'appelle Dark Soul Redemption. Voilà. On pourra lire ce manga à partir du 6 juin 2024. Et le premier tome sera donc disponible pour le 6 juin 2024, bien entendu, à un prix certain, parce qu'on ne le connaît pas encore. Le synopsis, pour ceux qui s'intéressent, alors je saurais pas dire si personnellement moi ça m'intéresse, puisque les Dark Souls je n'y ai jamais joué. Oui, vous pouvez m'insulter si vous voulez, mais je vous bannerai dans tous les cas. Mais je n'y ai jamais touché. Mehan, dans sa collection Yuri, nous propose ce manga. Oui, c'est en anglais. Oui, c'est chiant. Mais je sais à peu près de quoi ça parle. D'une locataire et de la propriétaire. Alors, il y en a une des deux. Je sais plus laquelle des deux, mais il y en a une des deux qui propose à l'autre de coucher avec elle au lieu de la payer normalement puisqu'elle ne travaille pas. Voilà. Pourquoi pas, après tout, passer à la suite. Des nouvelles éditions se lancent dans le manga, avec une collection manga. Voilà. L'édition en question, c'est les éditions Rue de Sèvres, qui se lancent donc dans leur collection de manga. Est baptisée la collection en question pour le manga, est baptisée Le Renard Doré. Alors pourquoi Le Renard Doré? Il va falloir leur poser la question, moi je n'en sais rien. Les mangas qui nous proposent là, il y en a deux de mémoire, deux ou trois. C'est pas des mangas qui vont m'intéresser, mais je vous le partage, je vous partage l'information qu'il y a des nouveaux. Une nouvelle collection de mangas qui arrive et du coup de nouveaux mangas qui vont arriver aussi dans la foulée. C'est prévu pour avril 2024. Il y a trois titres qui vont apparemment. Le premier, c'est donc celui-ci, La forêt magique de Hoshigahara. Voilà, avec le synopsis pour ceux qui veulent le connaître. Le voyage d'Ours Lune. Alors, ça m'a l'air d'être des titres qui sont quand même plus axés pour des enfants. Pour celui-ci, Le Voyage d'Ours Lune, il y a le synopsis ici, je vais y arriver. Ma mamie adorée pour le troisième manga qui vont sortir. Le synopsis est là aussi, si vous voulez le connaître. Voilà. Et donc, du coup, nous, on passe carrément et directement aux animés, puisque là il y en a peu, tout simplement, donc il y en a peu, dans les deux cas il y en a peu, donc on va passer directement aux animés. On passe aux animés avec la saison 2 de Dororidoro. Alors je n'ai pas regardé la saison 1, je ne sais pas si je le ferai un jour d'ailleurs, mais bah voici la saison 2 qui est donc. Qui a été donc annoncé, voilà, avec un synopsis pour se rafraîchir les mémoires pour ceux qui ont regardé la saison 1 et pour ceux qui veulent découvrir la série, bien entendu. Et bien sûr que pour le manga, c'est sorti chez Soleil. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire à l'heure actuelle. Hein. Ça a été annoncé en début de mois de janvier, donc forcément, il n'y a pas grand-chose à en dire. Nous avons eu l'annonce de 50 nuances de gras, adaptée en animé. Voilà. Avec Miss Elf qui aime manger des frites. Et ça se voit. J'ai pas grand-chose à en dire non plus. Il n'y a pas grand-chose à en dire tout court, en fait. Hein. On a juste eu un visuel et c'est tout. On n'a pas de date. On ne sait pas quand est-ce que ça va sortir. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va sortir à un moment ou à un autre. Pour ceux qui veulent. Qui ne connaissent pas et qui veulent savoir le synopsis, bah le voici, vous pouvez toujours mettre pause et les lire. Pour ceux qui ont la flemme, c'est en gros des personnes d'un autre monde qui arrivent sur Terre et qui visitent la Terre. Et certains habitent sur Terre, hein, comme elle, puisqu'elle aime bien juste la nourriture. Pour elle, c'est la nourriture et autre chose. Vous verrez ça en temps et en heure.
et d'autres ce soit certain, c'est très certainement autre chose. Enfin bref, je ne l'ai pas lu, je sais pas si je le regarderai. Le manga est chez Doki Doki pour ceux qui veulent savoir. Je regarderai peut-être l'anime, je ne sais pas, je suis pas encore là, bien entendu. Alors, oui, là c'est un visuel pas habituel que vous ne voyez pas habituellement, puisque c'est normal, c'est Adala News est revenu au bout de pratiquement un an, hein, à peu près. Ça a été bizarre de ne pas l'avoir pendant quasiment un an, mais bon, ça en est passé bien entendu. J'ai, avant de continuer sur l'info que vous voyez, j'ai un petit disclaimer, rien de méchant avec Adala News, c'est pas, il n'y a rien de méchant, mais c'est un truc que si vous allez sur le site, vous allez le savoir, il relaye des leaks, et je suis pas pour, je comprends pourquoi ils le font, ça je peux 100% le comprendre, et je pourrais très bien le faire aussi, mais je ne veux pas le faire, parce que ce ne sont que des leaks. Et comprenez-moi bien que là-dessus, il n'y a rien d'officiel. Ce qui a été mis dans un leak peut être complètement différent à l'annonce ou même juste être retiré, être complètement annulé. Et l'actu que l'animé ou autre chose en question soit complètement annulé, que ça voit jamais le jour. Voilà, c'est pour ça que je ne veux pas relayer de leak. C'est qu'il n'y a rien d'officiel, donc je préfère attendre quelque chose d'officiel et que au moins qu'on soit sûr de quelque chose. Là, alors du coup, faut faire attention avec Adala News là-dessus. Alors, l'affiche est plutôt sympathique, c'est pour la série Monogatari. Donc là, il y a deux arcs, de ce que j'ai compris et de ce que je me souviens, qui va être adapté pratiquement en même temps. Ça va être une continuité, j'imagine. Ça va sortir en 2024, mais on n'a pas plus de précision que ça. Je suis personnellement pressé. Oui, parce que j'adore cette série. Et je suis pressé de voir la fin, de voir la suite de. La suite et du coup la fin, puisque là, normalement, on est sur la fin. Si ma mémoire est bonne, bien entendu. Mais normalement, c'est le cas, normalement. Ces deux trois là sont sur, on est vraiment sur la fin de la série Monogatari. Contrairement au manga qui s'arrête de ce que j'ai compris bien avant, parce que ça, il n'y a que 22 tomes, donc ça me paraît un peu étrange que ça. J'ai vérifié entre-temps et c'est bien le cas, donc bon, tant pis, on verra bien. Ça, en temps et en heure pour le manga, mais surtout que j'ai pas encore commencé à le lire, mais je le feuillette à chaque fois, donc pour savoir où est-ce qu'on en est. Enfin, bref, c'est un détail. Le roman L'Honneur, Life in Another World, oui, là je l'ai dit, mais c'est plus simple à dire pour moi que I can't, je sais plus quoi pour le Yuri de chez Mehan. Là, c'est donc le roman L'Honneur, Life in Another World a été adapté en série animée, ou du moins va être adapté en série animée plus exactement, puisqu'il n'est pas encore sorti. Alors ça sera courant en 2024 pour sa diffusion, on a encore un peu de temps et on n'a pas beaucoup plus d'informations que ça, à part quelques visuels du personnage principal. Voilà. Ça est le synopsis de l'œuvre pour ceux qui veulent savoir. Oui, je ne le fais pas puisque je ne l'ai pas forcément lu. Et si je l'ai lu, ça fait longtemps puisque c'est sorti au mois de janvier, l'article. Pour ceux qui veulent le connaître, il y a un teaser qui est sorti aussi. Voilà. On revient donc sur Adala News, hein, vous l'avez reconnu, avec The Rising of the Shield Hero saison 4 qui a été annoncé pour l'animé. Voilà. Alors personnellement, je suis pressé de voir la suite. Même si, de ce que j'ai compris, pour la saison 2, c'était pas ça. Alors, je sais pas pour la saison 3, mais de voir. Le seul truc qui m'a posé problème, c'est que Naofumi a dû faire la nounou avec les trois autres héros, en fait. Malheureusement, c'est ça. Il a dû faire la nounou avec les trois autres héros pour rattraper leur connerie, encore une fois. Enfin bon, alors là c'est le synopsis de la saison 1, là c'est l'opening de la saison 3,
Et le reste, alors le staff, pour ceux que ça intéresse, hein, très certainement, vous le voyez là. Là, c'est pour. C'est en cours de production pour la saison 4. Après, vous avez le roman de sortie, qui n'est pas sorti en France, mais vous comprenez de quoi je parle. Là, c'est le manga qui est chez donc Doki Doki, etc., etc. Si vous voulez le lire, tout ça, vous mettez pause comme d'habitude. Et pour finir, les deux affiches qui sont sympathiques, je les aime bien toutes les deux. Même si celui-là fait vraiment sombre. Enfin bref. Quand je dis que ça fait sombre, c'est l'ambiance est pas à la joie, c'est pas à la fête là, clairement. Contrairement à celui-là. Même s'il y a un putain de dragon énorme au fond. Bref, on termine ça avec une autre adaptation en animé du coup, avec le manga Zombie no Harifureta Sekai Ore Dake ga Ozawa Renai. Voilà, en une seule prise, bien évidemment. Qui est donc adapté en animé et en cours de production, j'imagine, puisqu'on n'a pas beaucoup beaucoup d'infos. Et du coup, alors j'ai plus ou moins lu le synopsis. Alors oui, c'est quelque chose qui est sorti le 1er février, donc c'est assez récent du coup. Et étant donné qu'il n'y avait pas grand-chose, je me suis dit que j'allais quand même le mettre avec. Apparemment, ça parle de zombies. C'est une post-apo zombie. Alors, je dirais pas classique, mais c'est une post-apo zombie, tout simplement. Et alors, un peu comme pour la liste des morts, j'ai oublié son nom, Zomsan, etc., etc. Avec le personnage principal qui est content, qui est aussi une post-apo zombie. Là, ça fait à peu près pareil. Et au lieu pour le personnage principal. Il fait à peu près pareil, mais sauf qu'il n'est pas aussi joyeux. Donc quand il voit ça, il avait une forte fièvre pendant 3 jours et une fois que ça s'est arrêté, il a vu que le monde était infesté de zombies. Et quand il voit ça, bah, il est aussi un peu heureux. Hein. Ça lui évite beaucoup d'emmerdes puisqu'il travaille, il est un employé de bureau complètement ordinaire, etc. Truc classique japonais. Et quand il voit ça, bah, il est plutôt heureux et surtout, au lieu d'aider un groupe de survivants, etc., il le laisse se démerder, c'est chacun pour sa merde. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Moi, ça me plaît. Moi, personnellement, c'est pas la bonne porte qui aide tout le monde à chaque fois. Là, pour le coup, ça me plaît. Là, c'est quelque chose qui pourrait bien me plaire, même si on n'a pas encore d'infos sur quand est-ce que ça va sortir, le nombre d'épisodes. Bien entendu pour la série, etc., etc. Bien évidemment, alors il y a des pages du manga pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble. Voilà. Ça m'a l'air d'être plutôt intéressant. Et surtout que là, ils sont en couleur, alors c'est pas souvent. Donc, si un éditeur voit ça, hein, voilà. Voilà comment ça s'appelle. Ah, on sait jamais. Bon, il y a peu de chances que ça arrive, mais on sait jamais. Enfin bref, on va passer au DVD, tout ce qui est DVD Blu-ray. Il y a une info, et après on va pouvoir clôturer la vidéo. Je vais vous dire ça, pourquoi après. Alors donc là c'est une intégrale, il n'y en a qu'un seul d'article pour ça. C'est une intégrale DVD Blu-ray pour Elfen Lied. LED, j'imagine. Oui, mon anglais est toujours pourrave. Ça n'a pas changé entre-temps. Alors, ça va sortir le 28 février pour les deux éditions chez eux. Voilà. Et donc, du coup, l'intégrale du DVD sera à 35 euros. Alors, j'arrondis, mais vous voyez les prix. Pour le Blu-ray, il sera un peu plus cher. Il sera à 40 euros. Dans les deux éditions, il y aura bien entendu l'AVF et le VostFR. Il y aura également un OAV inédit en guise de bonus. J'imagine que là aussi c'est pour les deux. Et pour ceux qui ne le savaient toujours pas, oui, le manga d'origine est sorti en France chez Delcourt Tonkam. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le synopsis est ici, bien évidemment. Sur cette vidéo-là, il n'y a pas de figurines, puisque je vais faire une vidéo figurine avec que des figurines, hein, du coup.
Je vais faire ça peu de temps, d'ici peu de temps. Alors, étant donné que les deux vont, alors je dirais pas se chevaucher, mais il y aura peu de temps entre cette vidéo-ci et la vidéo de News Figurine. Même si News Figurine est peut-être un peu exagéré en disant ça, mais vous voyez de quoi je parle. Voilà pourquoi, tout simplement. J'aurais peut-être dû le dire avant, mais au début de vidéo, tant pis. Ce n'est pas grave. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de figurine sur cette vidéo-là. Cela dit, c'est pas forcément plus mal. Et puisqu'il y aura une vidéo de figurines, qualité de figurines, d'ici quelques jours pour vous, donc au pire, ce n'est pas très grave. Enfin bref, sur ce, je vais pouvoir clôturer la vidéo. Vous dire de mettre un pouce bleu si ce n'est pas encore fait, si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez aimé les différents ou ne serait-ce qu'un seul article que vous avez vu. De mettre un commentaire également si vous avez quelque chose à dire sur les articles qui vous ont plu ou non. Que The Rising of the Shield Hero saison 4 va être encore foiré parce qu'ils auront loupé trop, ils auront skip beaucoup trop de choses. Ou que l'animé de zombies post-apo va être incroyable. Ou sur les autres, allez-y, les commentaires sont là pour ça. Et bien évidemment, si c'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner, mettre la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. Sur ce, c'était Lamborg, à plus tout le monde, bye bye!